Et 73-51 à tous, Dandy 33-14, bravo Charlie, 33-01. Voilà, le Québec commence à nous arriver. Test de connexion. Breakover. Validé, validé. Là, il sait qui c'est qui a appelé. Degrés, nous. Alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo, le web SDR du QIRA, bon, je l'ai mis en sourdine. Je vais quand même jouer avec le bouton pour le couper au moment où je prends le micro, comme d'habitude. Là, c'est le web SDR de Montréal-Laval. Il y a du QRM. Hein. Et là, Ottawa. Ottawa, de leur côté, j'ai l'impression que ça a l'air d'être celui qui est le mieux placé, quoi. Alors ce soir, c'est la nuit de la M. Ok. Bon, pour l'annonce du jour, je la ferai après. C'est une cacophonie. Là. Ça, c'est même cacophonie. Là. Alors, au niveau du son, le web SDR, vous l'avez sur la gauche. Hein. Un peu, je vais faire un peu de la courant.
Les 73-51 tous, ouais, je suis pas mal moustaché là aussi hein, de mon côté, là, avec les stations étrangères et tout. Hein. C'est. Ah, j'entends quelqu'un, j'ai le web SDR d'Ottawa, là, et Montréal en parallèle. Merci la station. Voilà, ok, merci. Les 73-51 tous, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, comment vas-tu? Ah, chie trois coups. Eh ben toi, nous côté météo, bah aujourd'hui ça pleuvasse. Voilà, ça pleut tranquille, ça pleut gentil avec 16 degrés. Voilà, voilà. Et pendant que j'y pense, ce soir c'est la nuit de la M, aussi bien du côté Sibi que du côté Radio Amateur en premier. Eux commencent à 21h et du côté Sibi ça commence aux environs de 20h30 par là. Enfin bon, bref, quand les EM seront prêts, hachi. Donc la nuit de la M, c'est ce soir et je vais essayer aussitôt après le gastro. Donc j'irai un peu de retard de me mettre sur ma vieille base justement là qui attend là juste en dessous. Hein. Là je l'ai fait tourner un petit peu ce matin et tout ça tac. Là jusqu'à enfin toute la matinée même je l'ai laissé tourner comme ça tac. Là pour la reconditionner un petit peu là pour ce soir. Autrement côté forme, eh bien ça va, c'est ça va. Côté réseaux sociaux, ben je suis toujours bloqué. Là sur le, je sais pas, je comprends pas trop. Enfin bon, bref. Heureusement que j'ai mon plan B pour ça, hachi trois coups. Et autrement, ben je bosse tout le week-end en journée. Voilà, voilà. Oh oui, enregistrer le break. Oh oui, affirmatif. Le meilleur des réseaux sociaux, ben, ça reste le number one depuis toujours. C'est-à-dire la Citizen Band. Et tu as bien raison. Là, il n'y a pas de censure. C'est le tout premier réseau social grand public au monde. Et toujours actif. Alors, le Radio Amateur était avant. Mais c'est sous licence. Donc, pas grand public. Oui, oui, affirmatif. Surtout que maintenant, là, t'as plus de modérateur ou quoi que ce soit physique hein, derrière, je pense. Hein. Juste pour surveiller que le système fonctionne et puis c'est tout. Hein. Maintenant, c'est leur foutu truc là d'algorithme d'intelligence artificielle qui se démerde de tout et puis le laisse faire allègrement. Hein.
puisque là, plusieurs fois, je leur ai envoyé un message. Je n'ai pas de réponse. À mon avis, les messages qu'on leur envoie, ça finit à la corbeille et puis c'est tout, quoi. C'est voilà. Hein. Parce que là, j'ai en plus, ce que j'ai publié, c'est que sur la CIBI, mes partages, tu les connais. Je vois pas où je suis contre leurs règles ou quoi que ce soit. Si promouvoir, redynamiser le premier réseau social, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je fais dessus, quoi. Et ça, visiblement, ça leur plaît pas. C'est comme le lien du WebSDR, ben, je peux plus le mettre. Le lien du forum, le lien court du forum, je peux plus le mettre non plus. Les liens des différents sujets sur le forum, ben, va arriver à un moment donné, ils vont me faire le coup aussi, hein, de plus vouloir que j'en mette aussi, pour enfermer les gens dans leur système. C'est, voilà, quoi. C'est ça qu'ils veulent. C'est que les gens restent enfermés dans leur truc. Alors ça me fait penser. Attends, parce que j'ai un retour parallèle là depuis Ottawa. Ouais, voilà. Oh la vache, ouais, ça passe bien sur Ottawa, c'est le WebSDR d'Ottawa, dis donc. Et ça me fait penser un petit peu à ces clubs de vacances où tu as tout dedans, les magasins et tout, d'enfermer dans le club de vacances, dans le camping, quoi. Et ben du coup les gens, ils ont pas besoin de sortir de là pour aller visiter, pour aller voir ce qu'il y a ailleurs. Ben Facebook, ils font pareil. Plus ça va, plus ils enferment les gens dans leur système. Alors tu remarqueras qu'il y en a beaucoup là-dessus, ça leur plaît bien. Hein. Puisque dès que tu leur montres autre chose, oulala, si je sors, si je m'approche du bord de Facebook, je risque de tomber dans le vide. Tu sais, comme à une certaine époque, je sais plus si c'est à l'époque des navigateurs et tout ça, où attention, faut pas s'approcher du bord de la Terre, on risque de tomber dans le vide. Là, c'est la même chose, Hachidiku. Oui. Oui, et je sais que là je vais prendre un risque en disant ça, mais j'en ai rien à cirer. Même le téléphone, ils arrivent à le donner. Puisque, bon, mon identifiant sur Facebook, Dandy Radio CB. Bon, voilà, tu le connais, Dandy Radio CB, ok. Eh bien, si je te dis que là, depuis quelque temps, j'ai des coups de téléphone bizarres, des coups de téléphone inconnus de gens qui m'appellent Monsieur Radio CB. Et là, il n'y a pas longtemps, histoire de rigoler un coup, j'avais ma femme qui était juste à côté. Du coup, elle décroche depuis mon téléphone et la personne à l'autre bout l'appelle Madame Radio CB. Radio CB, il n'y a que sur Facebook que cet identifiant-là est utilisé. Il est mis nulle part ailleurs que sur ce compte Facebook. Donc là, il n'y a pas photo. Hein. C'est les numéros de téléphone, ils les refilent. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Et là, je suis en train d'essayer de voir comment je peux arriver à faire dégager mon numéro de téléphone portable pour mettre celui du fixe à la place, puisque paraît-il que par le fixe, on peut arriver à recevoir des SMS. Alors, si j'arrive à trouver comment faire, autant te dire que je vais pas me gêner. Hein. C'est ouais. Ah, je crois savoir comment. En allant directement sur le site de truc téléphonique et voir, ouais, il va falloir que je vois de ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai un livre qui peut se retourner sur une île, puis aussi la
Merci pour le retour de micro en forme. Justement avec Gilles, on vient d'avoir une discussion. Là, c'est sûr que je suis en forme pour le coup. Chidikou. Et tiens, justement, ce soir, c'est la nuit de la M. Donc que ce soit côté radiamateur comme côté Sibi. Hein. C'est donc là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire du moment que c'est en AM. Voilà. Et ce soir, je vais allumer ma vieille base, ma Stalker 20 là que j'ai là juste en dessous là du poste que j'utilise. Ah zut, que j'utilise à la seconde. Et ça va y aller. Oh oui, monsieur. Et toi, comment tu vas? T'es en forme? Ouais, ça a l'air vu ta voix. Merci pour le retour de micro, puis après on fera suivre sur notre station dont j'ai oublié l'indicatif que Gilles a signalé. Eh ben moi ce matin, du coup, vu le temps qu'on a là maintenant, et puis bon, ça va pas aller en s'arrangeant, j'ai branché mon petit appareil là sur la batterie de la moto, tu sais, pour la maintenir durant la période chiante. Car là, bon, je vais pas trop m'en servir. Hein. Même si les températures sont clémentes ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais plus, 16 degrés, je crois. Je sais plus. Et même si les températures sont clémentes ici, après, pour le reste, bon, c'est pas terrible. Hein. C'est de la gadoue partout sur les routes, et ceci, cela, avec les tracteurs, ainsi de suite. J'ai pas envie de glisser là-dessus. J'ai pas envie de pourrir surtout la moto. Et... Donc là, elle va rester là comme ça, donc avec le chargeur de maintien là de batterie de brancher dessus. Quoi. Je vais faire un retour de micro sur Gilles pour qu'il fasse rentrer la station. Ouais, bon, c'est bien. Moi, j'ai vu un bon tapis vert, mais tapis vert, là.
T'as remonté un peu ton micro là. Ouais. T'as remonté un peu ton micro. Ok, oui, il m'arrive de mon côté. Bon, il a un chouïa décalé, hein, ça c'est pas bien méchant. On s'en fiche. Il y a un clarifieur sur le jeu, un clarifieur sur le poste. Les 73-51, lui, de 14, bravo Charlie, 33-01 Rémi, sur le département de la Gironde, au pays des ivrognes. Alors, je le sors QRP, mais je le sors quand même. Je suis en pleine langue. Incroyable. Ok, bon, mais j'envoie des contacts à 51 à 14 route à 8 à 0.
Ah bah ça va pas m'aider ça. Merci pour le retour de micro. Alors j'ai eu un perturbateur derrière. Et là c'est sûr et certain, parce que bon, comme tu le verras dans la vidéo, il s'est mis à faire du bruit, le mec derrière. Hein. Je serais pas étonné que ce soit. Enfin bon bref. Je vais pas leur faire de la pub, hachi. Donc du coup, oui, je l'ai entendu parler derrière, mais entrecoupé par un perturbateur. Il n'y en aurait plus, on serait dans le monde des bisounours. Alors là, j'ai rien. Ah, je l'entends plus. Ah si. Je crois qu'il y a un autre OM de la 9 qui est en train de parler derrière. Non, rien de mon côté. Je crois, je sais pas si c'est un autre M là qui est dans le QSO, vu l'accent, je dirais du côté des îles, ou un autre QSO parallèle qui est venu s'installer dessus. Alors, il est en QSO avec un certain Emilio, mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter là, d'entendre un autre QSO déjà installé dessus. Ça n'a pas trop l'air de le déranger. Allez, tu peux rappeler un contact à l'aide, soit pour lui demander de passer à l'aide,
Ouais, t'as raison. Le QSO qui vient de s'installer là, ici, c'est le 27625. Nous sommes déjà en place là sur la fréquence. Merci de faire QSY. Ah ben il s'entend pas royalement visiblement puisqu'il continue son QSO. Ouais ouais ben on va continuer nous aussi hein. D'ailleurs là il est en train de donner là son indicatif et tout ceci cela ses coordonnées hein. Bon non c'est il est bien là ici quoi. Ben, c'est pas grave hein. C'est pas grave. Allez-y ben, allez-y du côté de la 9. Dans ma tête, pour que je rigole, dans ma tête, ça a fait le mec dans une fête foraine, la voiture tamponneuse, et qui est au micro. On serait mieux là. Traduction en train de prendre son petit déjeuner. Bordeaux,
Ok, les 73 Christian, avant de dire bonjour à Norbert, de 14 Bravo Charlie, 33 Zéouin Rémi, Dandy 33 qui est en stand-by derrière, qui a cogné à la porte, Hachi, les 73 51 Norbert, 14 Bravo Charlie, 33 Zéouin Rémi, sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion, question la bataille, au pays des ivrognes. Ah oui, et c'est du 52 de mon côté, hein. Le signal n'est pas très épais, parce qu'en plus je suis dans une cuvette, et tu m'as avec une bonne Redwood 5, hein. Ah oui, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Si tu connais mes vidéos et avec tes permissions, tu es dedans, tu pourras te réécouter, tu verras ça. C'est ça passe bien de mon côté, affirmatif. Retour de micro. Ah, j'ai de la perturbation FM qui vient d'arriver derrière. Ben nous aussi, hein, très content de t'écouter. Et puis désolé pour le manque de pour la baisse du côté radio. Je suis pas quelqu'un d'aussi important que toi pour passer fort sur les ondes. Ah, par contre, ah là, j'ai entendu un multibip, un chi trois coups. Je relâchais le micro pour retourner le micro sur Gilles pour faire rentrer les autres stations. En avant la station de la Neuf. Les 51 pour 14 novembre.
Passe pas. À moins que c'est celui qu'on entende de... le filtre. Ah, je l'ai poussé à fond. On entend gazouiller derrière. Si je l'enlève. Ah, vas-y. Bon, ça doit être lui qu'on a entendu. Alors, j'ai joué un petit peu des filtres et tout, ceci, cela. On entend vraiment un chouïa. C'est, si je dis radio 0, ça veut dire que rien n'est passé. Donc, radio 1, signal 0. Et encore, en jouant sur les filtres, je suis même pas sûr que c'est celui que j'ai entendu derrière. Donc, si lui, il m'entend quand même en retour, les bonnes 73, 51, original, de 14, bravo Charlie, 33, 01, Rémi, sur le département de la Gironde, et désolé de pas t'entendre beaucoup mieux que ça. Non, rien. Alors là, j'ai rien de rien, hein. Même pas un souffle. Merci pour retourner le micro. Dis donc, Christian, hachis trois coups, les bottes 73, 51 retournées. Tu me parles avec le cul, là. Hachis trois coups. Vu le signal, j'en suis sûr. C'est mal poli de tourner le dos aux gens pour leur répondre. Non, je déconne. Reste comme tu es. Si ça va mieux de ton côté pour attraper le Québec, moi je t'entends quand même, y a pas de problème.
Dans l'ensemble, c'est que du positif ce QSO. Quelques petits aléas, mais bon, c'est pas bien méchant, ça fait partie de la radio ça. Département. Ah non, d'accord, je crois que c'est avec le QSO parallèle. Longtemps je l'ai pas entendu. Thank you.
Ah oui, c'est vrai. Et les stations derrière là, jamais vous regardez s'il n'y a pas déjà un QSO en place comme ça quand on débarque sur une fréquence? Jamais il vous viendrait à l'esprit d'écouter comme ça pour voir si des fois vous n'allez pas casser un QSO? QSY, please. QSY, il y a déjà un QSO là. Correct with you.
QRT, moi là, que je prépare la vidéo. Ok, merci pour le retour du micro. Donc, il va falloir que là, je suis en train de regarder l'heure. J'aurai pas mal de choses à faire là maintenant, plus la nuit de la M par la suite. Donc, faut que je prépare un petit peu de mon côté, hachis trois coups au niveau de la caméra, là, au niveau de la base et tout ça, de mon trépied. Et, je vais pas rentrer dans tous les détails. Hachis, plus la vidéo à travailler de là, du QSO. Donc, je vais passer maintenant en QRT, un peu plus tôt que d'habitude. Les 73-51 à tous, de 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi, et bonne continuité de QSO. Je suis un peu plus de temps.
Bon, Gilles, Jean-Luc, les 73-51 à vous, ainsi que les autres stations, il faut que je cuirte là, vraiment. Bon, qu'est une étiquette QSO, bye bye. Avec plaisir que j'arrive, si j'arrive à t'entendre. Donc là, oui, je serai sur ma vieille base. Donc le temps, là, d'un premier temps, je vais travailler la vidéo. L'XYL, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, sera là. Donc, cappuccino, pas plus, juste cappuccino. après, voilà, il faut que je prépare au niveau de la station et tout, pour après embrayer ce soir. Et en même temps, il faut que je prépare mes affaires pour le pro ce week-end en journée. Donc, tu vois, là, je suis juste, on va dire, dans le chrono. Allez, merci, bonne continuité de QSO, bye bye à tous. Oh, c'est parti, je sais pas comment là. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Là. Faut que je coupe, hein. Allez, bye bye. Et avec un peu de chance, à ce soir, on la aime.